Flash McQueen, votre mission est de vous infiltrer à l'avant-première de Cars 2 à Disneyland Paris. Pays et une seule équipe peut gagner. Get some! Vas-y, McQueen! Martin, c'est le meilleur ami de Flash McQueen. Martin, ça te dirait de partir en voyage avec moi? Oh, t'es sérieux ou t'es pas sérieux? J'ai le premier rôle. Je suis moche, mais j'ai le premier rôle. L'autre, il est beau, mais relégué au second. Et là, il se retrouve embarqué dans une espèce d'aventure d'espionnage international. On a l'impression que sa crétinerie apparente est en fait une couverture et tout le monde pense que c'est un grand agent secret, ce qui n'est pas du tout. Et donc... quiproquo, et puis finalement attachement, enfin bon, toute l'histoire qui s'ensuit. Il a le genre américain ? Très américain. Il va se retrouver embarqué dans une aventure qui le dépasse largement. McQueen a besoin de votre aide. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Sidley ? Oui, Finn ? À Paris, prestement. Je chante une chanson dans le film qui illustre l'arrivée des voitures à Paris. Bah, ça illustre un peu la France. Bon, c'est 20 secondes, hein, c'est un clin d'œil, mais je suis très heureux, moi, de l'avoir fait. Ma vie s'allume et mon cœur fait vroom, vroom, vroom. Sally est un peu absente, hein, de cet épisode, mais j'ai quand même tenu à être là. Pour moi, c'était vraiment plus cohérent que le garde la même voix. Oh, McQueen! Mais Martin, l'idée, c'est de passer inaperçu, bien sûr. Wow! J'adore ça. J'ai adoré ça et je le referai avec joie parce que c'est quelque chose qui est très enfantin. L'histoire est tellement parlante, les dessins sont tellement parlants qu'on s'identifie énormément à eux. On n'a pas ni à surligner ce qu'on voit. Là, on est obligé d'en faire beaucoup. On en fait un peu des caisses. Jeu de mots. Ah, je crois qu'il s'est un peu oublié. Martin ! Moi, je jouais à la poupée et pas aux voitures quand j'étais petite, mais c'est vrai que là, Cars s'adresse à un public aussi autant féminin, il me semble, enfin pour les petites que pour les petits. Ça vise juste au cœur, parce que c'est sincère et pur. On est où, là ? À l'intérieur de Big Bentley. Ah, je me sens beaucoup mieux ! Je sors de Cars 2, mes lunettes 3D à la main. C'était génial. Et j'ai vachement aimé. Super. Excellent, j'ai passé un super moment. Encore mieux que le Cars 1. Les voix françaises sont parfaites. Non, c'est vraiment très réussi. Elle a Pixar style. John Lasseter est toujours aussi inventif et talentueux. C'est un véritable film d'action, j'ai cru être dans un James Bond au début. Il y a un côté suspense qui est assez incroyable parce que voilà, tous les personnages ont des voitures et c'est vrai que c'est assez frappant de se dire qu'on est comme ça, genre ok, qu'est-ce qui va se passer ? Et on a la croisée des genres, c'est le film d'action, d'espionnage et puis il y a les bonnes valeurs qu'on aime bien. C'était super. C'était très 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 agréable et vraiment je le conseille à tous. Cars 2, bientôt au cinéma. Bravo Flash, mission accomplie. Rendez-vous le 27 juillet.